Gros plan sur les archives du centre, un seul athlète qualifié, il est permanemment en répétition. Il s'entraîne à la précision des tirs à Ouagadougou. Il compte représenter valablement la région face aux autres compétiteurs. Il s'est confié à Nongba Kouda et Abdoulaye Kabouré. Voici l'unique représentant de la région du centre au tir à l'arc à la Semaine nationale de la culture SNC 2024. Lui, c'est Daniel Sagnan-Pagna. Ce sexagénaire s'entraîne juste à côté de son domicile dans le quartier de Nabumatanga. Il est souvent accompagné par ses petits-enfants et les jeunes du quartier. Chaque soir, et ce, depuis décembre 2023, il jauge son adresse. Je suis dans les entraînements jusqu'au départ pour Bobo, parce qu'on peut pas, c'est comme vous préparez une marche, vous ne pouvez pas suspendre la préparation. Si vous suspendez la préparation, c'est comme si vous perdez des réflexes au fur et à mesure. Les entraînements qui sont la seule solution pour aller à une compétition. Daniel Sagnan-Pagna croit en ses chances et ne craint pas la concurrence, surtout celle qui sera imposée par les archers du sud-ouest ou du centre-sud d'où il est originaire. Pourquoi un seul représentant du centre au tir à l'arc? Bon, les gens n'ont pas eu l'information en temps. Ils n'ont pas eu l'information en temps, donc le seul qui a eu l'information en temps, il était pratiquement seul, donc ça fait que malheureusement, celui qui a été... Bon, heureusement, celui qui a été retenu, mais nous espérons que les prochaines fois, on aura plus de candidats au niveau des tirs à l'arc. La Semaine nationale de la culture, c'est du 27 avril au 4 mai prochain dans la ville de Sia.